je vais essayer de découper la bandelette qui gêne un peu l'enfoncement qui est en trop, là sur le bord. Voilà. Voilà. Je vais montrer. Voilà. Et voilà. Bon bah voilà une situation que je vais rencontrer souvent, c'est-à-dire placer un lambris donc contre le précédent, enfin un nouveau lambris contre le précédent, mais je vais devoir recouvrir les trous de fixation de ma barre de douche avec ce nouveau lambris. Donc pour récupérer ces trous de fixation, et ben, il va falloir que je les perce à travers le nouveau lambris, mais d'abord que je les repère. Donc, dans un premier temps, je vais placer le nouveau lambris contre le précédent. Donc, voilà. Ça y est. Ensuite, à l'aide d'un crayon, je marque l'emplacement du nouveau lambris sur le mur. Donc je marque l'emplacement de la languette en fait, à hauteur donc du premier trou de fixation qui se trouve par là, hein, et du deuxième trou de fixation qui se trouve par là. Voilà, j'ai marqué la position du lambris. Alors ensuite, je vais mesurer la distance de mon trou de fixation par rapport à cette marque. On voit le trou de fixation là derrière. Je vais mesurer la distance. J'ai précisément 12 cm. Pareil pour le deuxième. Alors, il suffit que je reporte ces mesures, donc 12 cm, sur le lambris à hauteur du premier trou de fixation. Voilà. Et ici. Thank you.
Voilà. Essayez comme ça. Bon, ben voilà, nous allons faire une petite pause. Et surtout, je vais vous faire un petit résumé de la situation. Donc, j'ai déjà placé les lambris autour de la baignoire. Hein. Donc, sur la longueur de la baignoire, j'ai commencé à poser ce premier lambris. Hein. Ensuite, celui-ci. Puis celui-ci, puis celui-ci, et celui-ci. Il était très important que ce dernier lambris là arrive pile poil à fleur avec le bout de la baignoire. Hein? De manière à ce que le prochain lambris, lui, puisse partir pareil depuis le bout de la baignoire et qu'il puisse se monter ensemble, s'emboîter ensemble, voilà, sans découpe. Pour cela, il a fallu que je calcule au préalable ben de combien il fallait que je découpe donc ce premier lambris ici de départ hein, pour que ben, le dernier arrive pile poil au bout de la baignoire. Donc je l'ai découpé à ce niveau là et puis le collage entre dans le coin hein, entre les deux lambris du coin ben, le collage fait que voilà, on ne voit pas la découpe et que le travail est propre. Maintenant, il s'agit donc de monter ce nouveau lambris, voilà, d'une couleur différente. Et j'ai réussi à le placer, malgré la gêne occasionnée par l'arrivée d'eau, voilà. J'ai réussi à le placer, tant bien que mal, de manière à que je puisse prendre les côtes, parce qu'à l'emplacement des tuyaux, et indiquer ensuite l'endroit de la découpe, pour faire passer le tuyau dans le lambris. Bon, si vous avez des difficultés à placer le lambris tel que je viens de le faire, il est tout à fait possible de prendre simplement une règle et de mesurer on va dire l'emplacement des tuyaux, des arrivées d'eau du radiateur et de les reporter simplement sur le lambris, mais bon, il faut être très précis. Voilà, donc là je relève l'emplacement du tuyau sur le lambris, donc je marque d'un coup de crayon cet emplacement de manière précise. Il va falloir aussi que je relève sur le lambris la hauteur de ce tuyau par rapport au sol. Essayer d'engager le tuyau donc d'arrivée d'eau dans la rainure. Une fois que c'est engagé, il n'y a plus qu'à pousser donc le lambris vers le bas par le haut, en appuyant par le haut du lambris, et ainsi faire descendre le lambris et faire venir se loger donc le tuyau dans l'ouverture, dans le trou prévu à cet effet. Et voilà, le tuyau est venu se loger dans le trou prévu à cet effet sans difficulté.
je vais poser une baguette au-dessus de la porte. Voilà, une baguette qui est composée de deux morceaux que je peux détacher. Cette baguette servira à poser donc les lambris au-dessus de la porte. Et la longueur et donc de cette baguette que je viens de découper, elle correspond à deux fois la largeur d'un lambris. Parce que là, je vais poser deux lambris au-dessus de la porte. Donc, je vais vous montrer comment on détache les deux parties. De cette manière. Voilà. Et la première partie va venir se fixer de cette manière-là. En tout cas, se placer de cette manière-là. On peut fixer soit avec de la colle, soit avec des petites vis. On mettra les lambris au-dessus de la porte et on camouflera le tout par la deuxième partie de la baguette qui viendra se clipser sur la première partie.